Stressé, pas trop d'entretien? Non, ça va. Si ça se passe comme celui que j'ai eu au Canada, ça sera parfait. Ah oui, au fait, comment ça s'est passé là-bas? Très bien, ça s'est passé comme ça. Ah oui, ça c'est multiculturalisme. Là-bas, les Canadiens considèrent que c'est important de pouvoir conserver ta culture d'origine tout en adoptant la leur. Ah, ok. En effet, oui. Par contre, mon entretien en Allemagne, c'était pas la même chose. Oui, mais c'est parce qu'en Allemagne, ils favorisent l'assimilation. Bah oui, chez nous, en fait, on considère que les autres qui arrivent dans notre pays ne doivent pas conserver leur culture et doivent adopter celle du pays d'accueil. Ah ouais, bah super. Bon, tant que c'est pas la ségrégation. C'est quoi la ségrégation? La ségrégation, c'est ce qu'il y a eu en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Et ça ressemble à ça. Bah t'es où? Bah ici, tu vois, ici on considère que les gens ne doivent pas accéder à ta culture et doivent garder la leur. Ah ouais, c'est chaud quand même. Mais du coup ça se passe comment chez vous en France? Bah chez nous, ça se passe comme ça. Oui, en France c'est le principe du colorblind. C'est le fait de ne pas accorder d'importance à la culture, que ce soit celle du pays d'accueil ou celle du pays d'où tu viens, mais d'accorder de l'importance uniquement à l'individu. Ouais. La réalité, j'ai jamais passé d'entretien à poil. Et surtout, ça m'est déjà arrivé de me faire juger par rapport à ma couleur de peau. Ouais, normalement le colorblind est lié à plus de tolérance. En France, il est mis en application à travers le modèle républicain, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. T'as différentes études en psychologie sociale qui montrent que le modèle républicain se compose et de la citoyenneté et de la laïcité. La citoyenneté, c'est un peu comme le colorblind. On considère que tous les citoyens français sont égaux et ce, bah, quelle que soit leur culture ou l'orientation sexuelle par exemple. Généralement, c'est bénéfique pour la vie en société. Plus tu es en accord avec ce principe-là, plus tu vas tolérer les différents groupes culturels. Mais tu as certaines études qui montrent que c'est pas forcément vrai dans tous les contextes. Par exemple, lorsqu'un Français va ressentir que ses valeurs ne sont pas respectées, et bah, celui-ci peut devenir tout d'un coup moins tolérant, et ce, à cause de la citoyenneté. En gros, tu veux dire que parce que tu adhères à un principe égalitaire, tu peux devenir plus inégalitaire? Oui, par exemple, regarde ça. Putain, tu t'es vu avec ton voile à rentrer chez toi. Ah, qu'est-ce que tu ressens? Ça m'énerve de voir ça. Si ça tenait qu'à moi, il faudrait tous les mettre en prison. Tu vois, c'est exactement ça. Parce que tu as des principes d'égalité, tout d'un coup, tu vas devenir moins tolérant envers ceux qui ne pensent pas comme toi. Et toutes ces personnes-là, tu vas les rejeter parce qu'ils ne correspondent pas à ta notion de français et tu vas garder avec toi que ceux qui ont les mêmes valeurs. En même temps, c'est compréhensible de s'énerver. Quand tu vois que cet homme insulte cette femme voilée, uniquement parce qu'elle ne respecte pas sa laïcité. Comment ça, sa laïcité? Bah, historiquement, la laïcité était conçue comme un principe de tolérance. Mais certaines études en psychologie ont tendance à montrer que les gens n'ont pas tous la même conception de la laïcité. Et selon la conception que tu as de la laïcité, ça sera relié à plus ou moins de tolérance envers certains groupes. Concrètement, si tu prends l'exemple des prières de rue, certaines personnes vont l'accepter et le tolérer, par principe de laïcité, alors que d'autres, au contraire, ne vont pas l'accepter et iront même jusqu'à rejeter ces personnes qui font des prières, mais aussi par principe de laïcité. Tout ça, c'est les premières études, et il faudra en mener d'autres pour voir les choses un peu plus en profondeur. Come together.